Bonjour à tous, je suis Lola Morales et vous êtes sur Morning Kiss, l'Institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question très simple qui est: pourquoi est-ce que vous vous prenez des vents dans la rue? Tout d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment, vraiment vous dire. C'est qu'il ne faut surtout pas se prendre personnellement un vent que vous vous prenez dans la rue de la part d'une fille qui ne vous connaît pas. Hier, j'ai eu coaching avec des élèves et je leur ai répété ça 12 fois avant qu'ils ne partent justement en session de rue. Je leur ai expliqué 12 fois que lorsqu'une fille vous croise dans la rue, que vous essayez de l'aborder et qu'elle vous envoie bouler ou qu'elle vous envoie un vent, elle ne vous dit pas non à vous. Pour une raison simple, c'est qu'elle ne vous connaît pas. Elle ne peut pas vous dire non à vous parce qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Elle ne connaît pas votre personnalité, elle ne connaît même pas votre nom, elle ne connaît pas vos valeurs, elle ne connaît pas votre vie, elle ne connaît pas votre style de vie. Elle ne sait pas qui vous êtes. Donc, elle n'a aucun élément concret pour décréter si oui ou non vous êtes quelqu'un qui mérite son attention ou pas. Gardez bien ça en tête lorsque vous allez aborder une fille ou lorsque vous êtes en fait sur le point d'aborder une fille et que vous avez peur d'y aller. Ne le prenez surtout pas et vraiment gardez la tête froide vis-à-vis de ça et ne remettez pas en cause ou en question qui vous êtes sous le prétexte qu'une fille vous envoie un vent. La raison pour laquelle moi je vous explique ça, c'est que vous pouvez être amené par exemple à avoir peur d'y aller parce que vous savez très bien que la perspective de prendre un nom va vous mettre dans un mauvais état d'esprit et va vous saper le moral. Seulement voilà, vous avez tout intérêt à garder votre état d'esprit positif, tout simplement parce que vous avez bien fait d'y aller. Et d'autre part, parce que lorsque vous prenez un vent, cela ne remet absolument pas en cause ni en question qui vous êtes. Et est-ce que vous valez le coup? Bien sûr que vous valez le coup. Maintenant, les circonstances dans lesquelles vous étiez ne vous a pas aidé à faire comprendre à cette fille que vous valiez le coup. Eh bien, j'ai limite envie de dire, tant pis pour elle. Maintenant, c'est son droit également le plus strict de ne pas avoir le temps ou de ne pas avoir envie de se laisser aborder. En ce qui vous concerne, vous aurez fait votre part du travail. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était très simple et très courte. J'espère vraiment que vous aviez compris le message. Gardez-le bien en tête. Autrement, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss.